Allô, bonjour, bonjour. C'est pas d'accord. Amenez-nous connecter déjà. Bichette, je sais pas. Ah, ok. Salut, Bichette. Ça va, Nakamo? J'espère que on va avoir comme d'habitude. Voilà, je vois que Nini commence dit Dougou. Donc, ça fait plaisir de se retrouver après 2 semaines. J'espère que y a avec tout ce qui se passe. Surtout, ni avons fêté côté Sénégal, avec la situation de la COVID, avec aussi réouverture, les gens ont vraiment peur. Les gens se questionnent beaucoup, c'est normal. Mais il faut juste continuer à garder l'espoir, à se maintenir en vie. Donc, nous sommes solo là, nous baignons juste tomber dans la panique. Ça va être important. Continuer de se faire une routine. Donc, ça fait plaisir de vous retrouver. Taïmom, on va parler d'un sujet qui. Bon, mais d'un sujet qui revient beaucoup. Qui n'est pas du tout facile, mais la question du divorce. Ce n'est pas facile, surtout dans nos communautés. C'est plutôt très tabou, malgré tout ce qu'il y a en termes d'organisation et tout. Mais je pense que sur une société nous structurée, où, le divorce, la plupart du temps, nous le voyons comme un échec. Voilà. Échec, souvent, muy métis. Parce que nit ki mom lu muy gisé échec, da fay métis ci mom. Té ñun, la plupart du temps, duñu valoriser échec. Dañu nek ci ay société yo xamné, la plupart du temps, jangaluñ ñu pour ñuy valoriser échec. Donc, bu féké né, mbir da fay am, ñu considérer ko comme échec rek, day tax mbir momu day gëna métis bu ñëwé ci suñu vie. Ah, lool motax nak, bu ngeen sétlo, divorce, à chaque fois, bu amé ci suñu bir société, da fay nek lo xamné lu metti 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 la sank rek ma ngi koy wax ak sama ben xarit muy dugal ben vidéo bo xamné dañ ciy woné ben femme bu ñuy préparer pour muy dem di sey ji yaay ji di wax ak mom nan ko na nga def ni na nga def ni na nga def nalé mané ko mais c'est très bien li lu daan am la ci suñu société on peut rester nostalgique par rapport à ça mais dafa warul rek jëm ci ben côté. Parce qu'en général, buñ koy gis day jëm rek ci benn côté. Nañu fatalikou ne aussi suñu société bu ñuy ne maam yi ni lañ daan def seen sey yi dafa dëgëro nak nangam nangam. C'est pas parce que jigéen ñi dañ daan subir kessé. C'est parce que goor ñi tamit dañ leen daan préparer nu ñuy yoré soxna. Dañ leen daan préparer noy duggé ci sey. Donc, yoyu non dafa baax tamit ñu koy indi waat pour ñu baña joxé impression que sey bi bu doxé jigéen ñi kessé la. Donc, lolu ñun en tant que goor aussi suñu responsabilité la c'est beaucoup plus facile souvent de pointer du doigt l'autre quand ça va pas nit ñi ñu ngi wax lu bari non c'est yi légui bari degeeratul c'est yi légui bon ñaari fan ñatti fan la etc mais buñu setlo man jigen ñu bari ñu may dégg ñuy ñew sama bureau wala ma leen di dégg ñuy wax la plupart du temps tort bi jogéwul ci ñom ndax da fay am soubassement ou mensonge soubassement ou fen soubassement ou wor té lolou bu xasse bu duggu confiance day dañ donc lolou fokk ñu ci bayyi xel nit ki mëno ko yilif ba paré diko fen boko yilifé ba nopi ñu né ya ko yilif ba nopi nga koy fen bu yagge dootu la woloti nañ ko xor rek ak suñu politiciens yi ñu nekkal lu ci bari lan mo tax tay nit ñi dañ jappé waxu politiciens yi comme mbindu tefes donc lolu mom motax nit bo jité bu féké né da nga jitu ci lu mëna doon nak muy ci kër muy ci entreprise muy ci lim mëna doon bo jito da nga wara doon un modèle ñi nga jité la fa ngay légitimer ci ñom moy yow la nga leen di wax ñu lay gis ngay def sa kemtu lay kantan pour def ko bo joomé tamit nga mëna am matuk né ah man kat dama joom ma ngi jéggelu waaw ndax nit mom danaka bu ngeen di nek munul ñak peut-être njum te di am nit matut waye boy jité bëgg am légitimité ci jité bi ngay def faw yow mi jité nga mëna joxé l'exemple mais mëno nek ak nit nga ne ko mom na muñ
yow say recc recc te yow do muñ ay recc recc am mom lolou mënul nekk du deug waaw donc nak moy limay wax rek c'est à dire que limay faral di wax goor ñi moy soxna yi ku len mënul muñ faaw nga len di muñal te di len muñal yeen say waaw lolou mom daf ci am solo lol ñu ci bayyi xel ne warul joggé rek ci soxna yi di ñew ci goor ñi waye dafa wara nekk dans les deux sens ngir mu mëna deugër dafa wara nekk dans les deux sens té lima japp moy comme dans une entreprise ki jité yenn say mom mo wara gën di muñ parce que mom mo jité mo nekk ci kanam malheureusement dañu dem ba nga xamné muñ gi dañ ko fétalé ben bor moy dañu né ah soxna yeen kët muñ leen ngeen ki ñaar nit buñu nekké ala kulli alin fa way conflit am et c'est normal les conflits sont constructifs bu féké ni def nañ ko ci yoon dafa wara daf ñu wara fa dimbali ñaar ñi di nek ñepp pour ñu mëna jëm kanam ku nek di mag ci moromam chacun doit grandir en étant aux côtés de l'autre parce que ku ci nek ci ñom ci yeen ci ñaar ñi sey da nga am un background nuñ la yaré nga am des qualités aussi et tes défauts maintenant est-ce que nos différences doivent être des forces fofu le mbir mi nek parce que en général dañuy sétlu ni difficulté yi couple yu bari di am légui moy buñu démé ba deuxième phase du mariage bi moy la phase bi nga xamné lune de miel bi jeexna liñuy gis rek moy lan moy suñu ay différence ñun ñaar su boba nak li am solo ba am solo moy au lieu ku nek ci côtéam nan kenen ki yow da nga dang ma bét ak dang ma ni ak xaw mo ni mi nga mel ku nek da nga wara tok nga xol kenen ki waaw tay on parle du divorce Valette tay on parle du divorce de disons et comment se reconstruire après des moments comme ça si jamais ça arrive donc lol lañuy waxtane tay donc je disais que buñu nekké fimuy gëna metté en général moy quand on commence à voir nos différences fofu le couple bi di amé défi d'accord et lolou mom moy moment bi nga xamné moy moment bi gëna am solo dans un couple pour nit ñi ku nekk nga wara mëna taxaw xol est-ce que ces différences là doivent être une force pour ku ci nekk ci ñun nga mëna jang ci kenen ki pour mëna mag mais bu ku nekk da nga nekk ci sa ego man en tant que goor ma nekk sama ego homme oui man je dois pas changer may kilifa kër gi donc yow ya wara changer et cetera et cetera gis nga limay faral di wax suñu doom yi jur sax mënuñ leena changer suñu doom yi ñu jur sax mënuñ leena changer nit lenn nga mën ci mom moy une influence et une influence pour nga mën ko def ci nit il faut nga don un modèle maintenant comment tu peux être légitime pour avoir une influence sur une personne lolu moy mbir mi donc il faut que ñuy bayyi xel ci la seule personne qu'on peut changer c'est nous-mêmes et la seule personne qu'on doit changer c'est nous-mêmes donc bu fekke ne que dañu nekk ci situation de couple ñu yexi ci deuxième phase bi nga xamné lune de miel bi jeexna ku nekk commencé gis say euyi bu morom probablement comme niñ ko mëna waxé su boba li am solo ba am solo fofu nak le muñ gi di nekk mais muñ gi a deux le muñ gi moy cette capacité d'adaptation au naka le défaut wu kenen ki man sama ay qualité diko combler ak naka alaka ay qualité di combler man sama ay défaut donc fofu le mbir mi di nekk muy une cuisine à deux mais malheureusement buñu yexé fofu nonu nga xamné c'est que ça commence à être difficile ku nek da ngay am tendance di joxogn sa morom man limay faral di gis man ci sama pratique lolou la ok donc li am solo ba am solo moy tay au lieu que ñuy joxognanté ku nek nan ah yeen jigen ñi na ngeen daan seyé légui seyé to len ko et cetera munu ñu tamit ne jigen ñi tay en 2020 nañu sey comme jigen ñi en 1920 Mounoul nek, on est en 2020. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué, aussi bien dans l'éducation, dans l'environnement, dans la réalité des choses. Il y a beaucoup d'éléments qui ont changé. Donc changement yoy aussi ñun nañu xol tamit ñun suñu bop en tant que goor. Ñun qu'est-ce qui a changé aussi pendant toutes ces années-là? On ne vit plus comme nos ancêtres. Hein? Donc pourquoi voudrions-nous que nos épouses vivent comme nos ancêtres? Mounoul nek. Il faut que ñu am honnêteté aussi di mëna disons ku ci nek muy goor muy jigen nga mëna tok def ce bilan bop c'est extrêmement important donc à partir de ce moment là bonjour Moussa mami donc à partir de ce moment là nga lañuy mëna xolante ku nek nga xol sa bop
natt sa bop gis ni ah li kat man mang koy def te doxul fawma bayiko saliw mën nga wañi de nga donc nga xol man limay def muy gor muy jigen lan mo ci doxul et puis aussi limay faral di wax gis nga ni ñuy togué 31 décembre hein wala ñu tok ko peut-être tam xarit wala ñu tok ko korité wal tabaski di balonté ak balonté ak bobu warul yem rek ci wa balnal ak balma ak dedet surtout dans un couple nit ñi dañu war di am habitude dama koy faral di wax les couples là nañi am habitude bu moment yoy joté ku nek laaj sa morom wa yow man atmi lan nga gis ni man def na ko lo xamni wax deug neex yalla warumako wona def wala neexula won wala et cetera wala lo xamni mën na ko soppi bu ko defé nga jox nit ki une occasion mune ah wa man de li ak li wax deug neex yalla li ak li bu ko defé nga nek juste dans une posture d'écoute baña nek di jema argumenter way bo gisé ma defon li li motax ma defon non deglul kenen ki mune la ah man kat li ak li wax deug neex yalla tay ren def nga ko luma ki la won li tamit def nga ko lu bax la won wax deug neex yalla li contane na ci def nga li contane na ci ngeen def un bilan à deux bu ko defé nak à partir de ce moment fofu la balonté ak bi di am solo waye du ay balma ak balna la ak rek lama la defon way la ma di non pour man fofu le mbir mi nek ci bir balonté ak bi ku nek waye amé lo ma ak am non nit ñi mënuñ di dëkk te duñ amé lanté ak lolu mënul nek nit boy nek ak mom nga xam ko nga ñak ko xam il arrive des fois que tu réagisses d'une façon bo xamné c'est pas une façon aidante peut-être que ñen ñi kersa len di japp ñeneen ñi dépendamment de leur personnalité dinañ la ko wax ñeneen duñ la ko wax mais mënul ñak nga nek ak ay nit te do len amel ak muy sax njabot muy sa soxna sa nekkal muy sa jëkkeur et cetera et cetera mais je trouve que quand tu es dans une posture de privilégié wala que tu sois éduqué dans une posture de privilégié da ngay dema dem ba nga ba yaakar ni yow on te doit tout voilà donc muy aussi ay yenn message yo xamné malheureusement c'est des messages qui ne sont pas bien intégrés bien comprises moy gëna yaq yenn affaire yi parce que tamit nit ko xamné peut-être que njangam sori wul nonu tarbiyé wuñu ko xam nga démé wul nonu nga xey un bonjour ne koy ki nit ki yow ya yor tiabi aljana mom mu japp lolu peut-être que mom nek na nit ko xamné dañ ko yaga note yagu ko toroxal yagu ko ki mu jël pouvoir bobu nak récupérer ko ni ah comme que ki nak ma yor tiabi aljana tay rek ma toroxal ko lañ ma defoon yeb dina ko dello parce que wajaluñu ko pour mu xam wax joju fan la tegu parce que wax joju c'est une grosse responsabilité voilà exemple bima len di jox souvent buñu ñëwé dima wax lool dama len né yalla mo yor suñu tiabi aljana ñun ñëpp mais yalla dañ koy togn bëss bu né mu ñuy bal bu doon sa buñ ko togné rek mu dal suñu kaw kon bu boba ken waxatuko légui nak kon buñ la waxé lool yow dafa am luñ lay junju nga war ko xam malheureusement moy limay wax cette préparation là qu'on fait aux femmes on le fait pas aux hommes aujourd'hui motax buñu bëggé déllu wat té nañu daan dundé ay jamono ñu né non nañu konné di dundé nonu lolu mënatul nek à moins qu'on trouve des alternatives on a de belles choses de belles valeurs dans nos communautés lolu mom kenn mënu ko dindi té communauté bo dem aussi ils ont de belles valeurs mais nak il faut avoir le courage de mettre les choses en face et de dire que li ñu koy def doxul dañ ko wara bay li ñu koy def lu bax la nañ ko wéyel nañ ko continuer donc limay sétlu moy fi en contexte d'immigration lu bari luy am dans les couples muy indi problème moy da ngeen di nek Italie ba ngeen nek Espagne ba ngeen nek Canada ba ngeen nek France wala États-Unis ngeen bëgg dundu comme ñu nek Sénégal mais lolou wax deug neex yalla xel sax nangouko xel rek nangouko garab rek ci bopam garab boko jele ci deuk yobuko ci benen deuk faaw nga defal ko adaptation garab faaw mu adapté wu waxuma la nak leneen ak leneen ak nit ak inopam on vit dans une communauté il faut s'adapter aux réalités de la communauté
sama ki yi may joxe yenn say atelier zoom yek affaire yoy non may joxe ci suñu communauté yi ni depuis le confinement limay dégg lu bari té du sax rek communauté sénégalaise mais limay dégg lu bari ci communauté africaine yi fami liñuy kaas moy goor yalla yi duñ leen jappalé ci ligéy yu kër gi et ça c'est incompréhensible en fait nga wara mëna ñëw yo tok ci kër gi toute la journée nga gis ni ki day liggéey ngay liggéey ngeen nek télétravail yeen ñaar ñëpp mais ngay xaar lepp ci mom loolu mëno ko def ba nopi nga ni ki amna yërmëndé ci mom té nit ko amul yërmëndé ben wax dëgg neex yalla seenu nekkene man mënuma xam mënuma comprendre parce que nit ki pour ngeen mëna nek il faut yërmëndé dox seen digënté yeen ñaar yërmëndé moy li nga nanguwul ñu tégg la ko yow bul ko tégg keneen ki lolu moy yermande lepp lo xamne buñ la ko tege yow do ko nangu nga war ko meuna baña tek kenen gi man lolu lay faral di deg fi depuis confinement bi amé ak légui conflit yu bari yu am nonu lay démé parce que da ngay gis né soxna yi dañ nan la xalé yaangi fi ci kër gi di daw man maangi wara togg maangi wara nek ligue di liguey en télétravail en même temps extra etc man lima len di wax toujours moy il faut renégocier les choses té fof tamit difficulté bu mag dafa am moy on nous a pas beaucoup appris à communiquer surtout en matière de couple jangalu ñu communiquer dañu jangal informer wala joxé des ordres parce que non lañu maggé ñu ci bari c'est rare nga gis ko xamné ci ñun mëna communiquer parce que communiquer fi muy amé deug solo deug moy bu conflit amé fof ngay xamé nit ku mëna communiquer ak ku mënul communiquer waye bu conflit amul mom c'est facile mais bu conflit amé ñu wara lijeenti benn mbir fofu le souvent le ngay gissé les déficits de communication surtout nit ki bu nekké en position d'impuissance wala de faiblesse fofu le mbir yi di metti la plupart du temps moy nit ki day braqué wu ñu bari ci ñun dañuy braqué wu donc il y a plus de communication au fond finalement fan lay mujjé wa man may sa kilifa wala non yow da ngay sey wala kele ne ko non yere moma etc bu ko defé ku nek du commencer joxagne sa morom alors que communiquer c'est de pouvoir se mettre en position d'adulte à adulte ngén tok xol li moy problème bi nan lañ ko mëna résoudre lan mo ci sama part de responsabilité man lan mo ci sa part de responsabilité yow où est-ce qu'on peut trouver une entente fofu la mbir mi nek de pouvoir se parler en adulte mais malheureusement lu bari la plupart du temps yu melni bu amé ben les gens sont dans une perspective de ku nek di joxogn moromam c'est ta faute ki neko c'est ta faute etc dégaloma da nga sopéku ba nga ñëwé fi ak légui yaangi nek ci réseaux sociaux yi hein sa moromu jigen ñu ngi lay influencer ki neko waw yow sa suné yaangi ci sa nangam gi sa xarit yi ñoo lay influence etc etc légui nak bu ko défé nak mbir yi klaté wa fofu le mbir yi di klaté voilà donc je me dis souvent que il faut qu'on y baye xel ci comment on gère nos conflits. Les conflits constructifs sont importants du moins dans un couple parce que ça fait avancer té day permettre bu féké dañu am ay dom xalé yi lool daf ñuy permettre surtout que xalé yi ñu mëna yaro dans un environnement bo xamné dañ xamné c'est normal que nit mère yenn say c'est normal que nit mu baña sentir bien yenn say extra etc donc mang koy wax ci sama ben xarit demb mané ko en fait ce qu'il faut comprendre moy OK parce que dafa def ben poste mu né jigen ñi lim leen di digël moy dès l'instant que door bu ñëk am demal sa yoon té bul ñëwati mané ko bon écoute je te dirai pas non mais mieux encore nañu jangal suñu doomi à faire face à leurs émotions désagréables à pouvoir vivre leurs émotions désagréables malheureusement ñu bari ci ñun jangalu ñu comment vivre avec nos émotions désagréables muy la colère muy la tristesse ñu bari surtout la colère parce que fi ñuy maggé souvent dañu yagg gis ni nit ki bu méré pa bu méré wala mère bu mère limuy jëk def moy door wala saga donc yow nonu ngay maggé lolu nga intégrer donc yow pour yow nit bu méré door la wara def wala saga légi ce qui fait que nak bo démé ba nek ak ay nit ñoo xamné da nga leen dominer nga am pouvoir ci ñom bo leen méré sa premier réflexe moy doon dooru bo commencé ñak num ta sa pouvoir ou mëna exprimer wu rek mère bi bu yégué rek door ngay xalat n'est-ce pas malheureusement goor ñi duñu la sétane waaw bon peut-être que ci live yi ni mais comme yalla dogal na aussi
dinaay def yenen activité ak ay communauté tay activité yoyu heureusement amna ay goor ñu ci nekk té lima leen di wax moy man limay wax tout le temps sama bop la ci jital OK je ne suis pas à part parce que ci communauté bi la bokku ci la maggé ci lañ ma yaré etc etc sama liggéey nak peut-être mayna ma meuna découvrir yeen affaire et puis may jang aussi beaucoup et damay connu di jang damay connu di jang toujours ci limay dégg ci limay gis. Donc c'est important et puis aussi comme je dis nit ki li ngay wax nit ñi yow na fekk yow nga nek ci diko jëm sax même boko mënul sax nga koy jëm. Donc c'est ça mais j'espère que au fur et à mesure que les voix vont se lever dans ce sens-là au fur et à mesure les gens aussi vont commencer à intégrer parce que li gëna metti c'est d'accepter l'inconfort de se remettre en cause lolu dafa metti il faut mettre son ego de côté pour nga accepter inconfort ou se remettre en cause en tant que personne lolu ñu bari ci ñun duñ ko nango def motax ñu bari da ngay dégg c'est plus facile de dire ni lañ ma yaré ni la mel ni la ma yalla bindé lolu yépp ce sont des excuses yalla bindul nit ku mënul changer binduko motax mu bayé ñok suñu xel pour ñuy joom di défar waat di joom di yégg di défar waat yalla bindul nit ku mënul changer. Maintenant, c'est plus facile pour nous d'être dans le confort de « Ah, man de ni lañ ma yaré. Ah, man de li moy sama culture. Ah, man de ni lama yalla bindé. » Voilà. Donc, c'est plus facile et confortable. Voilà. Néné, dinañ ñëw ci amour à distance bi. Dinañ ci ñëw. Xamna moy do deuxième partie ou live bi. Donc, Bichette, pour respecter peut-être le sujet, dama don def une petite introduction côté bobu non rek. Mais pour ñëw sur le sujet, moy comment se reconstruire après une séparation. Malheureusement, comme li may faral di wax moy, souvent il y a pas de préparation. Lol moy difficulté bi. OK? En plus c'est tabou. C'est quelque chose de très 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 tabou. OK? On le sait qu'une séparation n'est jamais facile. Une séparation c'est jamais facile. Mais la première des étapes bi nga xamné ñu bari duñ ko def moy de prendre le temps de faire son deuil, le deuil de la séparation. Li ñi wara comprendre moy processus bi. Té lolou pratiquement ñepp ci jaar nit ku mëna doon moy bu séparation amé muy soit divorce le soit la tu perds la personne parce que c'est une perte. Il faut comprendre que c'est une perte et une perte nécessite toujours un deuil de ce qu'on a perdu. Xam nga sey nit ki bu ngeen di nekk da fay nekk souvent espoir boy engagé wu ci sey tu donnes de l'espoir. Tu donnes ton énergie. Tu donnes ton... Da ngay joxe lu beuri. Et tu as l'espoir de construire quelque chose. C'est un projet de vie. Lool fokk ñukoy bayyi xel. Da ngay am yaakar nga ne damay dem construire un projet de vie avec quelqu'un d'autre. Mom motax sa bu yu mel nonu amé nga xamné séparation da fay ñew. Mais il faut que nga mëna comprendre que né il faut accepter cette souffrance là qui va s'en suivre. Malheureusement lu ci beuri ñak bëgg ñak disons accepter dundu cette phase là qui est difficile mom moy waral ñu ci beuri duñu réussir à se reconstruire parce que li ngay comprendre moy après la phase de choc nga xamné séparation bi ñëwna c'est un choc dépendamment de parce que beuri nañu beuri ño xamné il le voit venir quand même il y a des prémices mais même si tu le vois venir dafa melni rek nit ki nga bëgg nga gis ko mu nekk sur son lit de mort. Malgré xam nga ni ki day dé mais du té métit gogou nonou bëss bu démé métit gi day dé da fay nek sey bi tamit non la mel moy malgré le fait que xam nga ni ñun ñi fi ñu jëm ni jamono yi ni du fu bax pour ñun ñu ngi xulo bëss bu né ñu ngi am ay problème bëss bu né ñu ngi ki bëss bu né mais fi lañ jëm mais malgré tout ça war nga comprendre que ni bu ngeen fay yeggé aussi da fay melni rek nit ki nga bëgg mu nek sur son lit de mort bu décédé bien que yaang doon nek ci sa xel ni ki day dem mais bu démé quand même dina la japp donc c'est aussi non la donc à partir du moment où il y a la rupture il y a cette phase là qu'on appelle la phase de désorganisation fofu nak la ñu bari di duggé ci liñuy tuddé le cercle vicieux de l'emprisonnement dans le passé ñu bari fa lañuy nek ils sont pris finalement emprisonnés dans un passé moy lan moy tout ce qui est la phase de désorganisation muy impuissance bi muy colère bi muy tristesse bi muy disons stress post traumatique bi comme niñ ko meuna tuddé donc tout ça
muy cette phase là de désorganisation ñu bari fofu lañuy nek ñen ñi nak pour essayer de disons masquer ça dañuy précipiter wu ci benen sey wala ñu précipiter wu ci benen relation lool lay faral di wax tout le temps métaphore bi may joxe moy nit ki ñu ci bari ci ñun surtout jigen ñi yeen la plupart du temps ci suñu société moy sa vie moy comme sa voiture sa véhicule yow ya nekkon au volant jusqu'à ce que nga rencontrer Pape Diouf bi nga rencontrer Pape Diouf nga ne ko ah am volant baangi ni mom mu installer wu tranquillement yor volant bi yow nga nek passager OK muy dawal ngeen di bek au début ngeen di bek tek sen ay musique yi neex jeki jeki rek mu bifurqué jaar ben chemin bo xamné yow xalaato ko won parce que yeen ñaar ba ngeen di départ yow da ngeen né Montréal ngeen jëm wala yeen ngi joggé Dakar jëm ci Inchor disons OK ngeen dem ba ci yoon bi mu yeksi ba boori ties rek jeki jeki rek bifurqué jëm booro Touba yow xamato mbiri lum lay nirool légi nak ngay jema xëcëk mom volant bi pour ngeen déllu ci wat ci yoon bi waye malheureusement mënoko ngeen daanu ci ben ravin auto bi sen sa auto yow sa dundu ngeen daano ak mom ci ben ravin mais bi ngeen daano mom dafa génn tranquillement bay la ak sa volant auto dem légui yow nak nga dess ak sa volant auto fofu nonu génna go ci bir pax momu nga duggu nga bëgg embarqué wat benen Modou Ndiaye ci bir. Comment penses-tu que ça va être possible? Juste parce que beug nga won Pape Diouf ne ko ah budul yow kat di sa morom man lambuma OK wala sey mbok ne la ah mom kat fimni ni fo nga dugat ci sey parce que sey mom jigen dafa wara sey nangam acha donc ñen ñi dañuy embarquer kenen muy gor ki muy jigen ki han muy ko gor ki muy jigen ki dañuy embarquer kenen juste pour bëgg won ki ñu nekkalon ne ko ah man kat je suis capable de refaire ma vie wala bok pression sociale bi yobul len ba ñu ne ah yow kat da nga wara nekkat ak kenen parce que jaaduul nga nek ni magum jëm nangam il faut ko ki bu ko defé nga embarquer kenen te yaang ci bir pax mi de pax mi moy yaangi ci déjà cercle vicieux bobu nonu nga nek di wëralu colère bi yaangi continuer di am colère ci binte ba légui OK yaangi continuer amna sax ben peut-être mbeugel gu dess sa bir ci binte parce que ni ngeen séparé wo da ngeen xulo rek affaire yi jeex ak yu mel non wala mu am ay problème waye yaang koy bëgg ba légui té lool ñu bari mënuñ ci bayyi xel nit ki mën ngeena bañati nek ensemble ngay continuer diko bëgg on peut aimer quelqu'un et comprendre que ce n'est pas la bonne personne dans notre vie. On peut aimer quelqu'un et s'en éloigner parce que on n'est plus la bonne personne dans sa vie. Lool nak ñu bari ci ñun duñ ci bayyi xel. Légui nak bu fekké né nak da ngeen and ba auto bi duggu ci biir fofu ah nga embarqué wat fa kenen. N'attends pas à ce que cette personne là yégal sa auto pour mu génn ci parmi. Donc li ñuy wax souvent moy digënté bobu la ñu bari dul jël temps wu. Faire le deuil nak moy accepter d'être vulnérable, accepter de souffrir pour avoir perdu quelqu'un qu'on a aimé, quelqu'un accepter de souffrir pour avoir perdu un projet, l'espoir dans un projet de vie, parce que nit ki nga passer 2 ans 3 ans 4 ans hein nekul 2 jours 3 jours nekul 2 heures 3 heures il y a eu un attachement qui s'est fait dans le temps. Amna ay sentiments yu jotta def imaginer ngeen am ay dom donc yoy nonu yeb il faut que ñukoy bayyi xel dans la reconstruction ñu jël temps wu faire ce deuil là OK accepter d'y aller maintenant nak limay wax ñu bari moy période bobu non lañuy soxla de l'aide période bobu lañuy soxla peut-être que ñu melni ñun nga dem consulter len wala bu fekke ne yow da nga japp ne comme psychologue yi mom pour ñi ñuy woyé ay dof la wala yi mel non demal sax nga set ay sa xarit wala sa mbokk mo xamné war nga mëna dem ci mom une personne de confiance mais il faut apprendre à verbaliser genné li nekk ci sen biir
bagn ko denc rek tey ko fofu non nacc ko di jaay ne dama deuguer dama ki je vais m'en sortir da ngay xey un bonjour explosé et quand tu exploses en mille morceaux et quand tu exploses en mille morceaux c'est difficile de ramasser les morceaux avant nak ngay yegg fofu donne-toi le temps d'extérioriser wonene merna wonene tristna ok wonene mangi souffrir accepter ne mangi souffrir d'accord accepter ne affaire yi metti na ci man nga koy wax faw nga am fokoy waxe pour mu guen gis nga suñu xel mi dafa melni suñu xel dafa am lu melni lu ñuy woyé estomac un estomac psychique bo amé yenn problème yu bari dans ta vie estomac bi da ngay melni ku nekk ci constipation indigestion faw nga libérer estomac bobu estomac bobu nak di nekk sa xel momu ni ngui koy libérer moy wax ji ngay wax guené li nekk ci sa biir. Ok, donc image bobu la len di jox nit ki bo lekke ba yenn lek yi tout il faut que nga soulager ou donc pour soulager ton estomac psychique il faut apprendre à verbaliser la parole libère waye diko denc sa biir diko tey diko nacc etc. Malheureusement ça crée toujours cette tendance là à continuer à vivre avec. Ok, benen bi moy il faut accepter de pleurer limay wax moy suñu psychisme aussi dafa am limay woyé man une vessie. On a une vessie psychique. Vessie psychique bobu non nak pour nous libérer ko il faut que nous accepter yenn say di verser des larmes. Les larmes peuvent nous permettre de libérer notre vessie psychique. Donc nañuy bayyi xel ci lolu période bobu nonou période bu am solo la bo xamné il faut accepter de faire le deuil, prendre le temps de faire le deuil. Les spécialistes disent que ça prend 2 à 5 ans pour se reconstruire. Man bon personnellement nekuma ci ki yoy non je dis man limay wax rek moy il faut être prêt. Man lo lay wax il faut être prêt jappuma ko ci ay 1 an 2 ans 3 ans mais la plupart des spécialistes ñu bari d'accord nañ ci né pour se reconstruire ça te prend 2 à 5 ans pour nga défarat sa bop mais man comme lima len wax rek man je refuse toujours d'être dans des cadres comme ça man limay wax rek moy est-ce que tu es prêt est-ce que vraiment tu es prêt il faut avoir fait le cheminement té limay wax ni du ay étapes là bo ci sauter rek moy du bax étape 2 bi mom boko soté mom jappal né lepp lo meuna djéma reconstruire tamit du dox lool mom c'est clair net précis quoi voilà donc il faut accepter de faire ça et d'être accompagné dans ça maintenant nak bo démé ba passé phase désorganisation bobu nonou ci ngay commencer dougout ci phase réorganisation. OK phase réorganisation lima don wax nak ñen ñu bari aussi ils sont pris au piège dans ce cercle vicieux là de l'emprisonnement dans le passé. Ils sont emprisonnés dans le passé et dans ces émotions désagréables, dans cette impuissance là ak nak ñu dugg nak ci ben dépression profonde. Ñen ñi dañu dugg ci une dépression profonde bo xamné c'est difficile de les sortir de là parce que ils sont dans leur tête c'est un message moi toujours la vie, ce que la vie devrait être, non pas ce que la vie est aujourd'hui. Lolu mo len di maintenir ci sen dépression bobu non parce que quand tu vis dans ta tête dans ce que la vie devrait être mais tu n'es pas dans la réalité des choses, tu vis dans un idéal, ñene ñi tu vis dans un passé, tu es emprisonné. Lolu mom moy difficulté bi motax nañuy jël temps bobu non c'est sûr que jigen ñi nak ñu ci bari aussi pression sociale bi dinay tax ba yenn say ils vont réembarquer quelqu'un d'autre dans leur véhicule qui est dans le ravin té lolu mom moy indi lu bari imaginer ñen ñi nga xamné dañ ci am doom. OK nga xamné finalement les enfants sont partagés nga wara nek dans une famille recomposée. C'est encore extrêmement difficile. Comment peux-tu t'engager dans une famille recomposée si toi-même défaut le maximum de travail sur toi pour guérir ou soulager même cette souffrance-là qui vient de ta rupture? Ñen ñu bari, c'est aussi parce qu'ils ont peur d'être seuls. C'est vrai qu'il y a la pression sociale, mais ñen ñu aussi, c'est parce qu'ils ont peur d'être seuls. C'est parce qu'ils ont peur de faire ce travail-là. Motax ils ont peur d'être seuls et de pouvoir se reconstruire parce que digënté bobu nonou mom mo lay permettre nga mëna dem djéma comprendre parce que quand tu ne comprends pas qu'est-ce qui n'a pas marché dans ton ancien ménage et quelle a été ta responsabilité dedans do mëna mukk def sa bilan ou erreur té malheureusement erreur yi nga défon dans le passé mom ngay reconduire ci benen ménage. Et c'est ça qui est malheureux.
Et c'est ça qui arrive souvent quand tu ne fais pas ce travail-là. Parce que le travail de deuil te permet le travail de comprendre aussi qu'est-ce qui n'a pas marché. Et de pouvoir rectifier tes erreurs, ne pas les, disons, les remettre. Et ce qu'on a amené, il te dit, « Manque du troisième ou manque du quatrième mariage. » Mais, beaucoup de gens, ce sont les mêmes erreurs. Et ce qu'on a amené, c'est une souffrance, même si on a amené, ce n'est pas la faute de l'autre. Mais mon souffrance bo pam la bo xamné daf ko traîner durant toute son enfance indi ko ci bir ménage wolbeutiku nak diko traîner et malheureusement musul jël temps ou def introspection pour meuna xol lolu nek ci mom mun ko djema dindi bu fekké né dafa bëgg construire une vie de couple qui est saine. Parce que amna une souffrance yo xamné boko traîner ci sa enfance ak yu mel non bo foko mënti yobbu mais c'est pas la responsabilité de l'autre hein. De te sauver de ça. C'est ta propre responsabilité yow en tant que personne lolou nonou nga mën ci tek sa baram xamni li kat man sama défi wu bop la il faut que ma changer ko sama bop pour mëna dugg ci une vie de couple saine. Ñu ci bari nak mom malheureusement dañuy yaakar né buñu nekké kenen ki dina leen ci mëna sauver et c'est malheureux. OK, on a besoin dans des situations comme ça, de faire son bilan. Mais pour pouvoir faire son bilan, il faut d'abord comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui était ma part de responsabilité dedans? Qu'est-ce qui ne m'appartenait pas dedans? Parce que deux extrêmes, moi, souvent, si vous avez des amis, il y a des extrêmes, ah, man, c'était pas de ma faute, c'était la faute de l'autre. Lorsque vous avez fait, ça ne t'arrange en rien, parce que ça ne t'avance en rien. Il y a des extrêmes, c'était tout de ma faute. Lors tamit boko défé, tu prends des responsabilités qui ne t'appartenaient pas. Et ça ne t'arrange pas non plus. Parce que ça ne t'avance pas à grand chose non plus. Donc, fofu le nit ki di soxla aide. Et c'est important. C'est important de se chercher de l'aide dans des moments comme ça. Et maintenant, à partir du moment où yo, nga mëna def ce travail-là de deuil et de compréhension par rapport à li amone. Ak nga djema xol lan mo ci sa part responsable pour meuna baña defat yenn erreur yi fofu nak ngay meuna duggé ci benen deuxième phase bi ñuy wax une phase de disons de se refaire. Voilà, une phase de se refaire. Se refaire comment? Se refaire des repères, ay repères yu bess. Parce que lutax moy ba nga nekké ak clé da ngeen construire on ensemble ay affaire du deug peut-être que keur gi ngeen deuk yena ko tabaxando wala bok mom moko tabax mais yena ko aménager ndo amone ngeen fa sen ay affaireu bop amone ngeen sen ay habitudes bop xam nga yo xamne yeen sen habitude de couple la won etc legui nak bu lolu jexé nga xamne que vie bobu nonu tu dois tourner cette page là mais il faut réécrire une autre page. Pour réécrire une autre page, mais il faut la réécrire à partir de ce que tu as appris du passé et de nouvelles choses. Parce que l'état, li gëna sonal ñen ñi moy surtout bu fekké da nga rester ci même environnement bi xam nga amna ñu ci bëri bo xolé suñu société sax lu ci bëri bu divorce amé souvent ku jigen ki moy dem donc mom peut-être bu démé ci benen environnement mën nako permettre mu défarat environnement bi défarat ay ki mais imaginez que ngien séparé wu ba paré nga rester dans le même environnement physique. Tout dans la maison va continuer à te rappeler ton passé. Motax ñuy solliciter souvent ñu né ci phase de reconstruction bobu nonu sa auto bi ma del ci wat ci métaphore auto bi. Auto bi bo fexé ba mu génn ci bir ravin bi parce que dafa accidenté donc koy yobu ci garage tolerri bu ko tégaat ci télé bi nonu rek muy daw. Parce que boko tege tali muy daw fo rombu nit ñi dinañ gis nox auto bi ak yoy non mais nox yoy pour nga defalat ko faaw nga yobuko boko yobbo nañ ko toléri wat rafistolé wat ko du gis ngeen caisse buñ koy toléri il faut muy metti fu ngay dégg rang wéñ di téggu ci kaw wéñ lool nak mom moy la phase de reconstruction faaw mu am moment yu metti pour nga defalat ko moy mom lañuy wax nga reconstruirat ay repère fofu nak dafa bax nga accepter de souffrir pour changer des choses. Defarat sa tolerie auto bamou rafet
rafistolé wat ko defarat couleur bu bes ok ousé wat peut-être ki ci bir donc lolu moy métaphore rek lay joxé ok moy peut-être ñi nekul won au début damay joxé toujours que métaphore se vie moy sa auto yow ya wara nek au volant donc auparavant bi ngay nek kele peut-être que da nga bayi volant donc ko jox volant bi ba ngeen dugg ci benn pax mom mu génné ci pax bi dem balafa légui nak bo génné sa auto comme que dafa accidenté won muy sa vie fexel nga reconstruire ko demal nga yobbu ko ci biir ci tolerie ñu défarat ko tolier wat ko défarat ko ba mu rafet su boba nga mëna doga téggu wat bu ko défé kene boy rombu ci tali bi keneen dina gis auto bi dina ni ah auto bi mom rafet na défar nañ ko di bu ko défé nit ki buy duggat sa auto da fay dugg avec respect. Mais imaginez que le client qui est en train de se faire, il a vu l'auto qui est en train de se faire. Il peut embarquer, nous par exemple, à Dakar, nous embarquer, nous Ziguinchor. Il est en train de se faire. Par rapport à l'auto qui est en train de se faire, il est en train de se faire. Si on a fait ici, valeur est en train de se faire. La valeur est en train de se faire de l'externe. La valeur est en train de se faire. Ce que je veux dire, c'est que si tu fais ta propre, nekat en harmonie avec sa bop, tu deviens beaucoup plus belle, beaucoup plus présentable, beaucoup plus en confiance, beaucoup plus ak estime. Té lolou ngay refléter ñeneen ñi. Soumay liggéey dans la reconstruction avec les femmes, ñi nga xamné dañu nékkone ay victimes de survivantes sax la len di wowe. Dama len di wax souvent que ni ce qui est malheureux moy man suma len di gis damay gis né ay gâteau ngeen, gâteau yu rafet. Mais suma len di deg yeen ni ngeen di gisee sen bop da ngeen melni ay miette ngeen di gisee sen bop legui nak imaginer yow nga ne da ngay dem pour nek ak nit mais que yow ci sa bop ngay gisee sa bop comme des miettes nga présenter sa bop comme des miettes comment veux-tu que l'autre qui est en face puisse te considérer comme le beau gâteau que tu es lolou mom moy. Cette phase de reconstruction là, nga recréer wat de say repère, daf lay joxat, daf la wara joxat une confiance en toi, nga amat image positive. Lu am importance nga amat une image positive de toi. Lolou mom moy tax ki nga xamne moy nek en face dina gis image bobu ngay refléter lay gis. Waye boudé tu n'as pas fait ça, mais ce que tu reflètes à l'autre, c'est juste une image d'une personne détruite. Et que malheureusement, mais nit ki comme li warofi di wax rek woudé mom nim le gissé rek non la lay ëwelé. Et c'est très vrai. C'est très vrai cette expression là. Donc phase de reconstruction bobu nonu da fay nek une phase importante bo xamné mom mo lay permettre nga mëna dem de l'avant. Donc c'est extrêmement important. Lool nak likoy indi moy il faut apprendre à s'occuper de soi. Lol nak wax deug neex yalla limay faral di wax il faut pas attendre que les choses aillent mal pour s'occuper de soi. Je peux comprendre tout ce qu'il y a comme pression, je peux comprendre tout ce qu'il y a comme difficulté, mais nit ki boul faté mukk né ki gëna am importance dans ta vie, c'est d'abord toi. Et ce n'est pas être égoïste, ce n'est pas être égocentrique, au contraire. Il faut d'abord ñuy fatalikou toujours que né la personne la plus importante dans ma vie, c'est moi. Lu bari nak ci ñun li ñuy sonal moy faatu bu duggé ci sey nek madame Diouf par exemple day faté faatu mom dootul exister dans sa vie. Donc madame Diouf moy jël tout le pouvoir. OK bu amé dom don yaayu diw ak diw ah bu boba benen la maman de doga ki dug donc finalement fatou mi mu donon da fay melni existé tout légui nak bo nekké ci moment yi ni ngay doga fatali ko né nak ah nekété fatou mom mi ngi fi won mais da fa réron ci sama vie parce que je l'avais mis derrière du deug légui nak fofu la difficulté bi di amé fofu la difficulté yi di nekké parce que à partir du moment où il va falloir s'occuper de soi il faut s'occuper de qui. Il faut faire renaître Fatou peut-être de ses cendres. Et c'est là. Et tu dois faire face à
qui tu es réellement. T'occuper de toi, c'est d'essayer de reconstruire un équilibre de vie autour de toi. C'est d'essayer de réexister. C'est d'essayer de reprendre le volant de sa vie, de sa voiture. Reprendre ce volant-là. Fofu le mbir midi nek. Et fofu le défi majeur. Nous bori dans la reconstruction, c'est un défi majeur fofu le nek. Parce que pendant longtemps, on a pensé que notre bonheur dépend de l'autre. Voilà, notre bonheur dépend de nos enfants. Voilà, notre bonheur dépend de notre mari. Voilà, notre bonheur dépend de... Alors que le bonheur dépend de nous-mêmes d'abord. Nous, il n'y a personne qui est responsable de notre bonheur. Les gens peuvent participer. Hein? Ils sont autour de nous. Ils sont aidés, ils sont djekers, ils sont djabar, etc. etc. Ils peuvent participer à notre bonheur. Mais la principale personne responsable de notre bonheur, c'est nous-mêmes d'abord. Lolu il faut que nous tiyaye xel naka lañ koy construire té tant que ñun nekkunu en harmonie c'est difficile de donner ce qu'on n'a pas nit ki bo heureuxul wala bo heureuxul mëno joxé le bonheur c'est difficile quand tu n'es pas heureux quand tu ne sens pas bien à l'intérieur mais tu une personne ne peut donner que ce qu'elle a malheureusement une personne ne peut donner que ce qu'elle a maintenant bon c'est sûr que mais aussi, comme je dis, il faut comme si vous avez des questions, posez-les au fur et à mesure, et puis on va évoluer par rapport à ça. Je sais que Nene Mingidon Warti affaire ou amour à distance, c'est un sujet qui est très sensible, mais qui est très important à mettre en avant. Ok, c'est très important à mettre en avant cet aspect-là. Mouy. Le fait que souvent ñi koy gëna dundum gëna metti moy jabaru moodu yi ak peut-être moodu yi ci sen bop. Je comprends que souvent c'est des contraintes de la vie, mais amna ci lo xamné c'est des responsabilités personnelles, parce que tamit ñu ci bëri c'est un engagement de départ. Tu t'engages avec la personne en disant dafa metti ma ngi dem wuti ñew ñu bok, wala ma ngi dem wuti bu nexé ma andi la ñu and bok. C'est un engagement. Il y a la solennité de l'engagement. Et il y a la sacralité aussi de l'engagement. Maintenant, yow, vous faites que vous avez dit ça. Vous allez vous faire, vous allez vous faire un autre jour. Vous allez vous faire un autre jour. Qui vous allez laisser ici, c'est que vous allez vous faire un autre jour. Alors, où est la justice dans ça? Où est le respect dans ça? Où est le respect dans ça? Fofu la difficulté yi di nekké en général. Té yow ci sa volonté de possession da ngay bëgg yow nekk feulé di dundu lolu fofu ak kenen nekk ci sa vie bu neex ki nga maintenir ko dans une souffrance et un manque émotionnel, sexuel, disons psychologique, etc. En pensant que le fait que chaque fin du mois, nga wari ko ben somme wala nga envoyé ko ben somme, ça va combler tout ce vide là. C'est malheureux. Et c'est malheureux. Et malheureusement aussi, lima ci setlu mom moy que damay gis ni dañuy faral de plus en plus limay dégg ci yenn femme yu bari ñukoy joy ñuy femme yi nga xamné dañ nek à distance moy que dañuy dem ba implanter une sexualité virtuelle. Une sexualité virtuelle. Et malheureusement, nit xelam moy doxé no xamné amna lo xamné bu xasse bu dugg ci bir xelam pour mu genn fa lu jafé lay doon. Ngén nek à distance, ngén di def de la sexualité virtuellement. Déjà, deux choses. Au point de vue de la sécurité de l'intimité, il y a rien motax tay da ngay gis lu beuri bu problème amé nga gis yene vidéo yi di génn ci net bék yene vidéo yi di jaar fi ak di jaar feulé nit ñi di chantage ki ak ay vidéo yu mu yor ak etc. Combien de fois ngay déglo benen affaire bi moy yene sa téléphone moy rër nit for ko mais écoute il peut être comme quelqu'un d'inconscient hein mu for ko ni rek après balancer ko wala mu jaay ko yene site pornographique yi. Du jour au lendemain, tu te retrouves dans des situations comme ça. Lolu mom moy risque bi nga xamné c'est un risque déjà technique et de sécurité. Benen risque bi moy nit ki nga xamné dafa nek fi ki nek feulé xélam nek ci lolu
Mu am des besoins naturels. Mu am une partie bestiale dans ça. Xawma nak nit ñi dinañ bayyi xel ci loolu. Dafa am fo xamni nit ki bu fa yeggé dotul andati ak xelam. Li bestialité ci mom mom moy wax su boba. Loolu mom moy jël le dessus. Et quand ça prend le dessus, comme li ñuy wax rek, tu allumes un feu et malheureusement, tu ne peux pas l'éteindre. C'est ça qui arrive souvent dans ces pratiques-là. Et que bon, ñenn ñi, beaucoup de femmes aujourd'hui, la difficulté moy pour baña dem peut-être moytu di génné di comme li ñuy wax moy etc etc l'adultère, elles vont développer une sexualité disons individuelle. Moy la masturbation dañ koy développer dem ba confortable ci lool amna ci ño xamné même sen ay conjoint buñu ñëwé en vacances sax dootuñu mënati nek c'est-à-dire que dañuy dem ba nga xamné dañuy nek dans un inconfort d'être de faire une sexe disons des le sexe à deux parce que dañu dem ba confortable ci sexe individuel dañu dem ba confortable ci lool parce que pendant des années elles ont fini par développer ça. Juste parce que, ben, compte tenu de la réalité, compte tenu de ces ngum-ngum, compte tenu de ces religions, compte tenu du poids social, etc., etc., nous n'est que pendant un an, deux ans, à attendre quelqu'un qui est de l'autre côté, mais d'y développer une sexualité intime. Parce que, nekul lo xamne xamuñu ko won avant. Niki, limu xamul, moko meuna ump waye limu xam ba paré meunatuko ump malheureusement il y a énormément de femmes dans cette situation là qui traversent ce que j'appelle moi un désert sexuel un désert dans leur vie sexuelle et c'est malheureux c'est vraiment malheureux de voir ça té li ci injustice souvent moy yow da ngay nek di dundou lolu kenen ki tax nga koy dund nga xamné vous aviez un engagement mom de l'autre côté me nga fa am une vie mais na nak fofu aussi je me dis souvent il y a une responsabilité personnelle parce que c'est un contrat sacré lu bari ci cadeau lay dem dans l'honneur bu ngeen démé ba nga xamné yow ki ngay nekkal gis nga né il n'a plus de respect pour toi parce que la ngeen jappanté won yeen ñaar signé ko wax ko tek ko mom respecté tuko OK alors à partir de ce moment là yow en tant que personne tu as le devoir de prendre une responsabilité dedans moi j'ai vu des femmes yo xamné bon je respecte leur choix pendant 10 ans ils ont attendu quelqu'un qui est dans un pays où il n'est même pas sûr d'avoir des papiers mais qui a une vie là-bas OK et que yow nga tok continuer diko xaar c'est le choix c'est leur choix mais c'est difficile à comprendre pour moi mais c'est leur choix moi je respecte le choix des gens mais à partir du moment où yow ya def choix bobu nonou mais il faut assumer ce choix là et c'est là où souvent c'est très complexe parce que ñen ñi dañ koy bo waxé ñu né le non ngor moma fa bayyi ah non ngor day nek lo xamné dafa ci ñaar la ngor c'est nan la koy waxé c'est réciproque coloré c'est réciproque du warul dem rek ci ben sens surtout ci digënté ñaar ñuy nek il faut que mu réciproque il faut que mu am une réciprocité sinon rek injustice da fa duggu té injustice mom bu xessé ba implanté wu moy manam dara amatul pour man le respect nekul ne rek respecté na la duma la do duma la sag duma la wax lu ñaaw etc mais le respect dafa dem ba ci moy cadeau yi nga xamné mom nga engagé wu avec la personne avec qui tu vis fofu la voilà soxna mais c'est ça il faut assumer ses choix il faut les assumer parce qu'à un moment donné tu es une personne tu as des besoins naturels yo xamné yalla mo la ko bindé OK alors si tu es capable maintenant de vivre disons avec ça et de les maîtriser mais c'est tant mieux mais si tu es pas capable franchement sois honnête avec toi-même et sois honnête avec yow ki nga nekkal xamal ko ne li ak li ak li meunatu mako et puis que ngene dem ko
nek dem ci jamm et qui reconstruit sa vie ci jamm mo gën ngeen di connait di nek ensemble té ku nek di jappal sa morom dara parce que lolu mom moy mo gëna destructif. Ouais, la famille ne te laisse pas divorcer. Mais écoute, Bichette, man côté bobu nonou, des fois je me dis une chose. Est-ce que c'est ta famille mom moy sey réellement? Kan moy sey? C'est ça, c'est la question qu'il faut se poser. La personne principale, c'est qui? C'est des fois, il faut accepter de souffrir, d'être seul dans son choix, quand on pense que c'est le bon choix pour nous. Il faut accepter de cette souffrance-là. Parce que Koutine et Tignoun, Yensaï, dans ta vie, il t'arrive de faire des choix, yo xamné, xam nga ni li moy li gën ci man. Même bu ci ñeneen ñi d'accordul. Parce que gis nga ni bo xasse ba nek mak. Tu ne rends compte plus à personne d'autre. Boudé da nga gëm Yalla, Yalla rek ngay rendre compte, mais à plus personne d'autre. Et c'est là où c'est important d'avoir le courage d'accepter l'inconfort, de prendre des décisions yo xamné, ay décisions la yo xamné ño bax ci sa vie yo, même bu ci ñeneen ñi d'accordul. Parce qu'en fin de compte, à la fin de la journée, c'est pas ta famille qui va être dans cette situation là. Ñom ñu ngi dundu seen dundu gu neex. Xawma nak yeen ngi sétane le la série maîtresse d'un homme marié. Mère Diagne bi mu commencé di nek ak Pa Gueye. J'ai fait une intervention là-dessus manelene. Li dafa nek luma yag kaas. Moy lan bari na ci ñun doom yi ño xamné surtout doom yu goor yi bu pa bi nekatul ci aduna décédé dañuy japp mère bi tejj ko ci prison bo xamné dañuy japp né waratul nek ak benen goor alors que ñun ñu ngi yor suñu ay soxna di bégué mais mère yi mom dafa wara tok rek japp selfam non rek di xaar yalla melni que mom pa bi nekatu fi sax mais dafa melni pa bi mo konni diko mom wala ñun ñoko mom. C'est la même chose, c'est à dire que à un moment donné nit ku nek dafa am fo xamné bo fa tollé dans la vie. Il faut que nga am courage yenn décision yi nga xamné dafa nek ces décision de vie même bu ci ñeneen ñi d'accordul nga xamné li man ma ci souffrir sa su ne té li rek moko mëna dindi dina fexé nu mako dindé man. Maintenant nak après je vais négocier, s'il faut négocier avec, il faut négocier, après nga négocier wayé dina ko dindi parce que man rek mako mëna dindi suma ko dindi wul keneen duko dindi té li ci gëna metti souvent famille li tax ñu la fay maintenir ñu ci bari sen intérêt bop mo tax. Parce que waji mi ngi feul li len jox xaliss bu beuri di len batterel ñu ci beuri c'est parce que dañ ci gis sen intérêt ñen ñi intérêt mbokk lañ ci gis ñen ñi intérêt sen honneur sen image dañ ci xol ah fofu ñëwé fi nga tass wa num to sax wa koñ bi dinañ ñi ah sa yaay jël nangam bu ko défé mère ñom ñoo ci gëna souffrir mère ñom ñoo ci gëna souffrir ñom ñoo la fay continuer maintenir parce que ñom sen image dañuy xol dinañ ne ah bu fi tassé kat dinañ ne yaay ja moko sey loowul ak duguna fi genn fi ñen ñi dañ nan ah ñun loolu du bax ci suñu famille xamuñu loolu nangam duguna fi genn fi ñeneen ñi li leen fay bayyi buñ waxante deug rek te yalla tax moy la leen waji meunal lam leen di defal. Parce qu'aussi, il faut comprendre. C'est comme beaucoup de femmes qui vivent aussi dans la souffrance d'un mari qui est violent, qui est un pervers narcissique et qui les violente. Nous sommes très bien, nous sommes très famille, nous sommes très bien. Parce que Wadi a un double masque. Si nous sommes très bien, moi qui suis très bien, moi qui suis très bien, moi qui suis très gentil. Nous sommes famille bien, nous aussi. Ce que Wadi a fait, c'est que nous sommes très bien. Nous sommes très bien, nous sommes très bien. Non, nous sommes très bien. Nous sommes très bien. Parce que ñom tant que sen intérêt mu fay nek sen intérêt moy nga dess fa intérêt bi nak comme ni mo wax mën na nek intérêt image famille bi mën na nek intérêt wu parce que lim leen di défal xam nga mën na nek ñom sen intérêt image bop mais dans tout ça la plupart du temps nit ñi lay ne dessal fofu non deglul sen message lan la au fond lutax ñu lay wax nga dess fofu et à la fin de la journée c'est toi qui es pris dans ce piège là c'est pas eux. Maintenant nak des fois il faut accepter de faire face au poids social et d'accepter de souffrir, d'être pointé du doigt par le tribunal social. Li changé yépp lool mo koy changé aduna bi ñi ko changé deug moy ñi nga xamné nit ñi dañ leen joxoñoon ay jamono amna ci ño xamné sax dañ leen ray ndax lañ doon wax nit ñi mënuñ ko wona dégg way ils ont accepté cette souffrance là.
La preuve, nous sommes top, nous sommes un modèle. Est-ce qu'ils ont suivi leur société à leur époque? Non, ils n'ont pas suivi leur société. Ils sont allés en marge de leur société. Nous sommes tous les gens, nous sommes tous les gens, nous sommes tous références. C'est ce que nous avons dit, nous sommes tous les gens qui la société en général dans def lol la def. Nous sommes en marge de la société. Et au début, nous sommes tous les gens, nous sommes tous les gens, créer des problèmes. Jusqu'à ce que nous réussissions ce lol. Donc lol, message de nous. Ñen ñi seen propre famille ñun ñi ñuy top ñun la plupart ñen ñi seen propre famille ñoo leen jëk pointé du doigt ñoo leen jëk xex parce que da famille da fay melni tay yow bichette nga ñëw fekk sa famille yëpp di jouer symphonie. OK, symphonie bi moy depuis des siècles comme fi ñu nekk ni aux États-Unis depuis des siècles say parents say arrière grands-parents yëpp dañ doon xalamal tuba bi rek yow nga xey un bonjour ñëw ak say batterie ci bir orchestre bi commencer teug nelen dootou fi amati man dootuma souffrir la ti ben tobab dootuma topati ben tobab je veux être libre non nga yakarne lolou ñom dina len neex dedet parce qu'ils ils sont déjà assez confortables dans ce qu'ils étaient donc lolou ben message la bu may wax nit ñi dafa am fo xamne buñ fa bo fa tolo il faut que ngay réagir non jëmb mu ne lan. Parfois, même si tu divorces, ça peut être difficile de trouver un autre mari. Rambi dafa serré. Et la région ne nous permet pas certaines choses. C'est bon. Mais djëmb mbir mi du affaire ou rang tamit nak. Djëmb wax deug neex yalla mbir mi du affaire ou rang. Du rang dé. Rang ban? Rang si bopam mo fi amul. Gis nga? Ni jigen ñi di xalaté né rang bi dafa serré. Non le goor ñi di gisé né tamit rang bi dafa serré. Li am solo moy nga dem gis ki bax ci yow lolou rek mo am solo dans le choix il faut accepter nga nek ki nga xamné yaakar nga ni ki mo bax ci yow pas ki le nit ñi tanal pas ki le société bi tanal lu am solo la donc li yeb ay message la yo xamné buñ koy intérioriser mo ñuy gëna sonal daf ñuy gëna sonal. Donc nañuy bayyi xel ci ne gis nga yow fimne ni tay jigen ñi lima leen di faral di wax moy kep ci yeen ko xamne amna une bonne estime am une bonne image am une bonne confiance en elle hein ran bi ci côté am lay séré gaay ñom ñoy ñew di ran parce que lu bax mom ñepp ko bëgg du deug lu bax ñepp ko bëgg maintenant nak. Comme on dit, la religion, nous, peut-être, avantage que nous avons dans nos sociétés, moi, ben, n'est-ce qu'une société où on dit qu'il y a une monogamie. Il y a des gens qui ont choisi la polygamie et c'est tant mieux pour eux. OK? Parce que l'autre, nous sommes, l'autre, c'est une religion, l'autre, c'est une valeur, etc. L'essentiel, moi, nous pouvons gérer comme il faut, c'est tout. Nous pouvons gérer comme il faut, c'est tout. Salimata Moune, comment aborder le divorce avec les enfants? Waouh, l'autre, mom, malheureusement, même fi manek ni dang koy gis déjà ci touba bi en occident parce que lu ci beuri moy gis nga xalé yi en terme de divorce li ci metti moy ñaari parents yi duñu préparer wu à la séparation y en a pas dañuy xey rek un bonjour teuf ku nek dem côtém yenn say la plupart du temps sax tribunal mo len di séparer ku nek jël sa avocat bu ko défé xam nga nan lay mel. Ils sont pris entre deux feux. 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 Ils sont pris daf ci am ay xalé yo xamné en matière de divorce dañ leen di utiliser comme enfant soldat yenen xalé dañ leen utiliser comme outil de guerre moy manam pour naxaral kenen ki pour mettital ko fofu le métier gis nga divorce buy am il est important que mu am négociation il est important que ñaari adulte yi ko sekk ñu mëna def mbiru adulte bañ ci duggal xalé yi. C'est ça l'affaire. Maintenant comment l'aborder avec les enfants? Mais c'est naturellement li bon moy di len fenn li bon moy di len wax lo xamni intéressé wu len parce que amul len njariñ
il faut juste les rassurer. Les enfants ont besoin d'être rassurés parce que ñom tam dañuy yag di dundou mais di dundou ci ben barque barque bi xey un bonjour xar en deux. C'est normal que ñom aussi ñu tip, c'est normal que aussi ñu jaxaso ñom, c'est normal que aussi ñu jema réadapté wu mais lolu likoy waral moy il faut, ils ont besoin d'être rassurés. Les enfants ont besoin d'être dans, sécurisés dedans. Ils ont besoin d'être sécurisés parce qu'ils n'ont pas besoin aussi de se partager. Parce qu'au moment où les parents ont décidé de se séparer, on décide que les enfants doivent se partager. Et c'est normal qu'ils réagissent comme ça. Maintenant, ce qui est le plus important, c'est que nous pouvons parler de ces bires pour savoir quel message et quelle posture avoir par rapport aux enfants. Parce que les enfants, ay passagers lañ ci biir auto bi duñu chauffeur ay passagers lañ passager bu nekké ci biir auto nak na chauffeur yi di dawalé nonu mo koy tax mu calme wala mu ñak calme yow bo duggé ci auto nga gis chauffeur bo xamné dafa mandi ba ki fune mu dawal fa fune mu xol fa sa xel du dal té bu boba lan ngay commencer amna ci xalé yo xamné amna ci passagers yo xamné dañuy commencer di casse di yuxu chauffeur bi di def ay affaire wala ñu né may mama wacc ñeneen ñi dañuy tité tit ba nga xamné dootuñ defati dara donc la xalé di réagir aussi. Donc on a besoin de ça. OK? On a besoin de ça. Djembu munelan choix bobu mo metti. Gor bu bax c'est difficile à trouver de nos jours. Jigen bu bax ak gor bu bax. Maintenant nak c'est dépendamment de qu'est-ce qu'on appelle gor bu bax parce que dama koy wax tout le temps. La réussite avant la réussite d'une femme dans nos sociétés, c'est de trouver un bon mari. Mais c'était quoi un bon mari? Et c'est quoi qui est devenu un bon mari? Est-ce qu'encore aujourd'hui, au 21e siècle, franchement, la réussite d'une femme, c'est de trouver un bon mari? Je vous pose la question. Moi, je n'ai pas la réponse. Je suis un homme. OK? Je suis un homme. Mais baïna les questions, Bob. Est-ce qu'encore au 21e siècle, la réussite sociale d'une femme, c'est de trouver un bon mari? Je pose la question. Et c'est quoi être un bon mari? Et c'est quoi un bon mari? Gor bu bax moy lan? Ça aussi il faut le définir. Parce que gor bi bax ki awa, mën na baña nek gor bi bax ci fatou, mën na baña nek gor bi bax ci jëmb. Hein? Mën na baña nek gor bi bax ci jëmb, mën na nek gor bi bax. Donc c'est important jëmb de se poser la question, yow lan moy say critère gor bu bax? Lolu am solo la lo xamne dang ko wara poser wu. Est-ce que li la société bi di wonne moy goor bu baax? Est-ce que yow lolu nga bëgg calquer ci sa vie? Parce que sey da fay melni des chaussures yoy dem di porter ji. Bul dem di jënd ay dal yo xamne parce que nenañ xew na rek mom lay dem jënd ji jënd pointure bo xamne du sa pointure. Su boba tamit day soit day xat bu baax ci say tank do meuna noy wala bok mu yaatu baax ci say tank do meuna dox correctement. Donc fofu le mbir mi nek. Fofu le mbir mi nek ki mune lan djek mune lan en tant que djek mune en tant que femme il faut nga xam sa bop après tu respectes tes critères et lignes de conduite les choses viendront naturellement bon djembu mune un célibataire ne dirait pas cela waaw je pense pas que dafa nek digeunte célibataire ak marié non je pense pas que fofu le mbir mi nek c'est-à-dire le débat est dans c'est quel profil que je recherche? Comment moi je me vois dedans? Et qu'est-ce que je veux faire comme pour construire? Parce que man boudé man dans ma perception des choses dans ma japonais pour me mener réussir deug rek il faut que ma nek ak nit il faut que ma nek goor. Donc ça veut dire que suma nekké ak goor gog wala jigen joju nonou damay jël sama responsabilité vie yeb jox ko parce que damay yakarné sama bonheur ci mom la nek. Donc si jamais ça marche pas je serait difficile pour moi de me reconstruire. Ah ok, Salimata. Mune, comment annoncer le divorce aux enfants? Je veux dire, est-il prudent? Non. Les enfants n'ont pas besoin d'explications, Salimata. Les enfants, ils n'ont pas besoin d'explications. Détails, ils n'ont pas besoin d'explications. Ce qu'on veut dire, c'est papa et maman vivaient ensemble. Ils avaient un projet en commun. Fimné ni projet bobu nonou dañu décider ñom ñaar ku nek nga dem reconstruire fenen mais papa et maman vont continuer à vous aimer papa et maman vont continuer à être avec vous papa et maman vont faire de tout leur possible pour ngeen mëna continuer de profiter de papa et de profiter de maman xalé lool rek lañu soxla soxla wuñu lenen
soxlawuñu leneen. Maintenant nak dina ci am ñoo xamné après dinañ né waaw man je voulais rester pour que vous soyez ensemble etc. Lo c'est normal. Il faut accepter aussi que ñom ñu traverser lool non parce que ay passagers lañu comme je dis. Bu auto bi jaxasso faaw ñom tam ñu yek ko faaw tam ñom tam ñu réagir. Donc en tant que parent il faut accepter cette phase là de désorganisation parce que ñom tam ils ont à faire un deuil, ils ont à faire le deuil de famille bi ñu xamone. Mais il faut dinañ ko dépasser dépendamment de ñaari parents yi ban posture lañu am ñom seen deuil bobu nonu dina don un deuil bo xamni dinañ ko mëna def correctement mëna passer à autre chose. Parce que combien de personnes sont issues de divorce et qui sont aujourd'hui des personnes très équilibrées dans leur vie, qui mènent leur vie facilement, qui mènent leur vie tranquillement. Mëna nak sékel dina fa nek parce que il y a des blessures, mais les blessures ay cicatrices mo fay dess finalement. Da fay dotul donati une mémoire traumatique ci ñom day nek rek une mémoire autobiographique lool lay don ci ñom xalé yi nga xamni ils sont issus de divorce divorce bi jaar yoon parents yi comporté comme niñu wara comporté wo buñu maggé dañuy dem au fur et à mesure di soigner leur blessure buñu maggé mémoire bobu nonu mémoire autobiographique lay ñu don ci ñom moy dañ di tok diko raconter di ki pa be ak mère bi bañu tassé ak nangam mais dotul donati lu traumatique ci ñom. Mais si cette étape-là n'a pas été bien respectée et bien vécue, c'est sûr que ay mak lañuy doon yo xamné ben ils vont vivre avec ce trauma-là. Lool mom mo dal ñu bari ci ñun. Motax bu période du divorce ñoyé rek day melni que day réveiller ay souffrances yu ki yu enfui. Timtima mu né nos sociétés conditionnent les femmes à la dépendance affective. Wa c'est vrai. Yeah, c'est vrai. Wa lool mom bari na ci. Ah, dépendance sax lay wax dépendance parce que lu ci bari ni ngi len di préparer la aussi ni ngi len di préparer à ce que facilement ñu mëna nek ay victimes goor ñi aussi limay wax dañ len di préparer à ce que facilement ñu mëna nek ay bourreaux. Ah, lool mom c'est une réalité. Maintenant nak lan mo ci sauver nit ñi la daan am di ci sauver nit ñi amatul té amul ben lenn luñ ko changer moy on a laissé un vide parce que comme je dis nos sociétés avant yoyu dafa am ñuko daan régler. Goor ñi dafa am ci seen famille ño xamné ño leen daan préparer naka lañuy yoré kër naka lañuy yoré ay njabot jigéen ñi ñu leen di préparer dans tout ci côté yépp nak ci côté yépp muy côté vie muy côté sexuel dafa am ñu leen daan préparer yoy amatul. Donc on a laissé un vide. Maintenant c'est ce vide là qu'on n'a pas comblé mon motax légui. Bon, la plupart du temps les gens surtout quand ils sont en difficulté parce que tant bi ngi neex problème amul mais bu problème amé lañuy gis né que on a énormément de déficits. Ah, comment on gère nos émotions désagréables, comment on gère des conflits pour en faire des conflits constructifs, comment on met son ego de côté pour faire son bilan personnel, OK, comment on communique avec l'autre une communication saine. Donc lol, comment on peut se mettre dans sa posture d'adulte pour discuter avec l'autre en adulte. Donc yoyu mom moy difficulté mom moy gap biñu bayyi légui les ku nek nak da ngay joxogn sa morom jigéen ñi né mo goor ñi ño baxatul goor ñi né no jigéen ñi ño baxatul c'est pas ça. Nous pouvons tous être de bonnes personnes, nous sommes tous capables de changer. Nit ko xol amna lu bax ci mom ku mu mën ti doon. Maintenant nak est-ce que développer na lu bax lolu wala il a choisi autre chose? Ben c'est ça, c'est là où le bas blesse souvent. Je sais pas ndax amna yenen question, ben sinon je pense que on est arrivé à 15h13 présentement. Ça a été comme un plaisir encore d'être là. C'est sûr qu'on n'a pas pu parler quand même de la solitude. Xamna dañ koy jappal peut-être ben peut-être dans un live spécial que ñu mën ci wax parce que je vois que Bichette mu ma doon wax né que bari na ci ñuy wax aussi ci affaireu solitude surtout solitude des femmes célibataires hein, au Sénégal avec le poids social que ça crée. Je pense que Jëmb peut-être côté bobu lay waxé, je te comprends bien Jëmb. Yenn say dina je peux être un peu dur des fois, OK. Je vais pas m'en excuser parce que pour man lu bax la nit. Bon, je me dis que des fois pour nga mën ko dimbalé aussi yenn say il faut que ngay mëna mettre les comme dire les choses comme elles sont, appeler un chat. C'est bon des fois, OK, c'est bon des fois. Yenn say vous faites que par exemple j'ai été peut-être comme
assez dur qui a une réponse. Je suis désolé de ça, mais l'intention c'est toujours que moment où nous amenés, nous avons une expérience d'écogis parce que ça fait 15 ans quand même. Donc 15 jours, ça fait 15 ans quand même qu'on est dans ce métier-là, avec plusieurs problématiques, okay? Avec plusieurs types de populations. Nous avons vu tout, mais nous avons vu beaucoup dans la vie. Donc, il faut avoir le wolof de dire, il faut avoir l'importance de le faire. Ce qui est fait, c'est que nous avons vu ce qui est fait. Nous avons vu ce qui est fait. Nous avons vu ce qui est fait, c'est que nous avons toujours avant de s'engager ou de faire des choix. Voilà. Donner des électrochocs. Waouh, c'est ça. C'est ça. Comme li may wax rek, tough love dafa bax. Les Anglais di wax tough love. Moi, pouvoir nommer les vraies choses aux personnes qu'on aime pour les aider à, même si ça les met dans un inconfort, pouvoir les aider à faire probablement de bons choix. Donc, c'est des moments yo xamné, comme li may faral di wax. Li ma fi wax yépp, c'est pas parole d'évangile. C'est une expérience de vie et professionnelle. OK? Mom la fi wax. Maintenant nak ñi fi ñew ñëpp ku ci né nang ci jël li nga xamné peut-être que mom mo lay arranger lén ci dess bayiko. OK? Et que nous comprendre que né on est tous des humains. Et un humain, il est fait d'abord de vulnérabilité. Il faut que nous accepter sous nous ay vulnérabilité ci yenn situation yi mo ñuy permettre ñu mëna comprendre pourquoi on est vulnérable ak lan lañ wara changer ci suñu vie pour ñu mëna ko changer. Donc, lolo am solo. Et puis, accepter aussi souvent de laisser des questions sans réponse. Am des questions yo xamné soxla wuñ ci am ay réponse parce que demeul ñu fenn. Dañuy demeul fenn moy ñu poser wu les vraies questions. Jema out les vraies réponses à ces questions-là, jema jëm kanam. Et puis prendre sa vie en main. Gis nga bo démé ba nek mak, il faut accepter de porter ses propres lunettes, pas les lunettes, pas continuer à garder les lunettes biñ la jox. Demb rek ma ngi koy wax ci ben podcast mo doon def ak ben femme bu nek aux États-Unis, ben couple. Ma len di wax ne que gis nga li gëna metti moy bo nekké mak dans une famille, papa et maman, famille dafa melni troupe théâtrale. Papa et maman sont le réalisateur et le metteur en scène. Gis nga tay bo xolé metteur doono marié, ñi fay jouer ñëpp Calista mo len di jox ay rôle ak ay yoy nonu. Xalé yi ci kër gi tam non lañ mel, ñun ñëpp non lañ meloon ci suñu ay famille. Mais bu nuy bo maggé da nga wara redéfinir yow sa statut ak sa rôle yi nga bëgg dans ta vie. Lañ la joxone nga tek ko ci poids, xol lan mo ci bax tay pour yow mo la arranger, nga jël ko tek ko renforcer ko ak yeneen ni mbir yu bess. La nga xamné joxone nañ la côté arranger wala ci jamono ji ñu nek, nga téggé ko de côté. Lolu mom mo lay permettre pour nga avancer. Mais bo bëggé dund toujours dans ce que les autres pensent de toi, ce que les autres veulent que tu fasses. Tu vas vivre toute ta vie, tu vas traverser ta vie, mais tu ne vas pas vivre, tu vas traverser la vie. Moi, madame, tu vas toujours vivre pour les autres, pas pour toi. D'abord, moi, je suis un homme avec conviction. Je suis un homme qui a fait le rêve. Nous, nous sommes top de l'homme, nous sommes tous les background, avec leur parcours. À un moment donné de leur vie, ils ont dit que nous sommes tous les hommes, nous sommes tous les hommes, nous sommes tous les hommes. Il faut ce courage-là que nous sommes tous les hommes. En traversant l'inconfort de ne pas être compris, et par même des personnes qui nous aiment, par même des personnes proches qui ne nous comprennent pas, c'est correct. Qui ne nous comprennent pas, c'est correct. Mais qu'on comprenne qu'il s'agit de notre vie. Et amna fo xamne bo fa tollé en tant que mak, yow yaay meuna redéfinir sa vie, te regarder avec tes propres lunettes. Ça va être important. OK? Kon, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Di len gëreum, di len santé et puis di len souhaiter une excellente fin de semaine. Di len wax à 2 semaines disons à 15 jours inshallah si Dieu le veut bien, nous retrouver Watt sur un autre thème. Voilà. Merci, au revoir.